Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous filmer un room tour puisque je vais bientôt déménager et j'avais envie de vous filmer un petit room tour pour vous montrer un petit peu comment j'avais aménagé ma chambre avant mon déménagement. Bien sûr, si vous souhaitez, dès maintenant, dites-le moi, dans ma future maison, je vous montrerai ma chambre. Voilà, je me suis dit que c'était le moment idéal, c'est plutôt bien rangé, c'est prêt à mettre en carton. Donc avant de mettre en carton, ça me fera un dernier souvenir de ma petite chambre. N'hésitez pas tout de suite à liker ce style de vidéo si ça vous dit. Et si vous en voulez d'autres, bah, dites-le moi en likant aussi et en me mettant un petit commentaire. Allez, c'est parti pour le room tour. Donc voici la vue dès que je rentre dans ma chambre. D'ailleurs, vous m'apercevez là-bas en rose dans le miroir. Donc quand je rentre dans ma chambre, on arrive directement sur mon lit, qui est un lit pas très très grand, hein, c'est pas un king size comme dirait-on, avec un petit effet comme ça que nous avons fait avec mon mari avec papier peint sur une planche de bois. Deux petites tables de nuit qui vont, je pense, partir à la poubelle parce qu'elles se font vieilles. Ensuite, on arrive ici avec deux grandes armoires de chez Ikea et deux rideaux aussi, je pense, de chez Ikea. Je vous montre rapidement l'intérieur. Bien sûr, sans aller dans le détail, voilà, il y a le côté, le mien ici, c'est celui-ci, et celui-ci, c'est celui de mon mari. Donc on a fait à chaque fois une penderie pour mettre tout ce qui était chemise, petits hauts, voilà, enfin vous voyez tous mes hauts. Pantalons, moi, ils sont au-dessus, mes pantalons et mes petits débardeurs. Et mon mari aussi, ses t-shirts et ses jeans sont au-dessus. Plus bas, nous avons décidé de mettre, alors moi j'ai mis un espèce de panier comme ça, un peu fourre-tout. Sinon, ben voilà, deux tiroirs pour les sous-vêtements. Et là, un tiroir pour les sous-vêtements et le bazar. Ce n'est pas rangé, hein, vous ne m'en voudrez pas. Et en dessous, nous avons notre album de mariage. Oui, ben, je ne sais pas ce qu'il fait là, mais bon, c'était le seul endroit pour le ranger. Donc voilà pour les armoires. Sur ma table de nuit, rien de plus basique, un réveil, une bouteille d'eau pour la nuit, ma petite trousse avec mes essentiels, mes médicaments, mes choses comme ça, mes deux petits sprays en fait que j'utilise dans mon lit pour, vous savez, en brume d'oreiller un petit peu, le Secret Charm de chez Victoria's Secret, ça se voit que je l'aime beaucoup, il est presque fini, et celui-ci que j'aime beaucoup utiliser aussi, mais j'utilise un petit peu moins, de chez Ecos, vous savez c'est la marque Natura Brasil à l'açaï. Donc voilà, j'aime bien aussi l'utiliser, cette petite brume que j'avais reçue de la part de la marque il y a très très longtemps maintenant. Dans ma table de nuit, vous avez donc des essentiels pour la nuit, c'est-à-dire des crèmes pour les mains, des repousses cuticules. Voilà, il y a dose de crème pour les mains. Quelques médicaments, mes petites crèmes Lush pour des petites barres de massage. Et ma petite boîte à lunettes qui est ici. Et ici, il n'y a plus rien parce que c'est déjà parti dans les cartons, mais c'était avant... mes boîtes à bijoux, je crois, mes boîtes à bijoux vides, je ne sais plus exactement ce qu'il y avait dedans. Mais... pour ce qui est du lit, ben voilà, il est assez basique. Je sais plus comment ça s'appelle, le par-dessus de lit, cet effet marron comme ça, ça vient de chez Ikea. Les petits coussins viennent de chez Primark, je crois. Les petits coussins cœur comme ça, avec cet effet un peu tout doux là, comme ça. Bon, là, c'est la table de nuit de mon mari, donc avec ses petits accessoires à lui. Et nous passons au coin make-up. Je vous avais fait une vidéo sur mon rangement make-up il y a quelques temps maintenant. J'essaierai de vous la remettre dans le petit i si ça vous dit. Il n'a pas beaucoup changé, hein. Je vais vous montrer vraiment... je vais pas aller dans le détail, hein. Je vais vous montrer en surface comme ça, je vais pas aller dans mes tiroirs, etc. Je vous remets la vidéo de toute façon en barre d'infos si ça vous dit, sur vraiment le détail de mon coin make-up. Ici, vous avez ma commande Sephora. Je vous ai montré il n'y a pas très longtemps que je n'ai pas encore rangée. Et ma petite box de chez Yves Rocher que je vous ai montré sur Instagram. Je vous invite à aller me rejoindre sur Instagram. Tout comme ces trois box qui sont des box concours pour Instagram aussi et Facebook. Donc je vous invite à me découvrir là-bas si vous voulez gagner des petites box. C'est vraiment tous les produits que je reçois, que je n'utilise pas, qui sont tout neufs. Je les mets dans des petites box et voilà, j'ai décidé de vous gâter avant de déménager. Donc sur ma coiffeuse, c'est une coiffeuse tout simplement Ikea. Donc elle est assez basique, je ne sais plus exactement la référence, mais j'essaierai de vous mettre en barre d'infos. En dessous, donc ça c'est le petit siège aussi Ikea. En dessous, voilà, j'ai mis deux petits rangements comme ça que j'avais acheté il y a très longtemps maintenant chez La Farfouille ou Jiffy, je ne sais plus exactement, dans ce genre de magasin. J'ai mis des rangements acryliques ici avec tout mon maquillage, mes rouges à lèvres. À l'intérieur ici, vous avez toutes mes petites réserves de palettes, mes palettes, mes produits un petit peu de luxe. Donc là c'est tout ce qui est palettes. Ici, vous avez des bazars, hein, des crèmes aussi, encore une fois. Et là, des palettes, encore une fois. Donc, je vous invite vraiment à rejoindre ma vidéo si ça vous dit, si vous voulez plus de détails. Ma jolie boîte à bijoux que mon mari m'a offerte. Là, dans ce tiroir, bah, il y a tous mes blushs, etc. Mes bronzers qui sont là. Vous avez deux petits échantillons de parfum. Mes mascaras en réserve, tout ça, tout ça. Bon, bref. Ici, vous avez tous mes pinceaux, que ce soit de chez Sephora, ici, d'autres marques.
mes petits pots à crayons, mes petits encres à lèvres. Enfin voilà, vous avez toutes les doses d'encre à lèvres. Dans cette petite trousse, vous avez tous mes petits produits cliniques que j'aime beaucoup utiliser. Donc je les avais reçus par la marque. Du coup, j'aime bien les mettre ici dans cette petite trousse clinique. Comme ça, je les retrouve facilement. Donc ici, par exemple, il y a le Chubby Stick de chez Clinique, qui est vraiment un indispensable que vous mettez facilement sur le visage, enfin sur le visage, sur les lèvres. Ainsi que là, mon scrub pour les lèvres, toujours de chez Clinique. Donc là, j'ai vraiment mis tous mes essentiels de chez Clinique dans cette petite trousse. Comme ça, voilà, facile à repérer, facile à prendre si je veux l'emmener avec moi. Dans ce grand meuble Ikea, qui est ma foi très connu, hein, ma copine Jennifer de la chaîne Jennifer Passion m'avait aidé à l'installer, avait eu l'idée de le mettre ici et de ranger avec moi tout mon bazar. Alors il faut avouer que j'ai fait pas mal de tri, mais ils sont quand même remplis mes boîtes là, avec des produits en réserve, que ce soit des produits pour le teint, enfin c'est souvent, c'est que des soins à l'intérieur. Là-bas, vous avez tout ce qui est soins du visage. Je crois qu'ici, c'est tout ce qui est masque. Ici, soins du corps et crème solaire. Ici, soins des cheveux. Voilà, c'est assez trié. Dans les boîtes ici, vous avez tout ce qui est parfum, miniature de parfum et produits naturels aussi. Tout ce qui est pour faire mes produits moi-même. Ici, vous avez toutes mes réserves de Too Faced. Les boîtes, vous savez, les boîtes et certaines palettes. Ici, vous avez voilà, les palettes Too Faced. Vous les voyez vous-même. Et ici, une petite boîte avec je ne sais plus quoi dedans. Je crois que c'est du bazar encore, avec mes boîtes vides de chez Lush que je garde pour les ramener au magasin. Au-dessus de cette grande commode, donc je vous montre quand même un petit exemple. Voilà, à l'intérieur, là, c'est tout ce qui était, comme je vous disais, soins capillaires avec des petites trousses qui traînent un peu au-dessus. Ici, par exemple, vous voyez, c'est tout ce qui est soins du visage, avec mes crèmes à belly, tout ça. Donc voilà, je les garde précieusement. Au-dessus, vous avez deux trousses. Alors, c'est des trousses. Une de chez Victoria's Secret, comme ça, à New York, que j'ai acheté à New York. Et je mets mes échantillons dedans. Des petites décorations de chez Maison du Monde, avec cette petite bougie que Mélanie m'avait offert. Cette bougie aussi que vous connaissez tous, de My Jolly Candle, que je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, que j'adore. C'est la Jungle, Tropical Jungle. Je vous remets d'ailleurs un code promo si ça vous intéresse, si vous voulez craquer pour ces fameuses bougies. Là, j'utilise pas celle-ci, je suis en train d'utiliser une autre qui s'appelle la Virgin Mojito. J'en avais parlé aussi dans un vlog que j'aime beaucoup. Donc j'essaye d'arriver aux bijoux. C'est ma mission, arriver aux bijoux. C'est une paire de boucles d'oreilles, donc j'ai hâte. J'ai une autre bougie de chez Maison du Monde qu'on m'avait offerte. Une petite boîte de chez Maison du Monde et dehors il y avait des échantillons. Mais j'ai changé et j'ai mis des petits parfums. Des rouges à lèvres, parce que oui, accro rouge à lèvres, voici le résultat. Et encore, vous voyez pas tout. J'ouvre le rideau pour que vous voyez bien, bien, bien. Là, il y a une bonne partie de mes rouges à lèvres, pas tous, mais tout ce qui est rouge à lèvres, encre à lèvres, etc., tout est là. Les encres à lèvres, je les ai mis dans ce rangement de chez Amazon, avec surtout celles que je préfère. Hein. Par exemple, ma chouchoute de tous les temps, c'est la MAC, la... Comment elle s'appelle déjà? La Somi de MAC. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc celle-ci, par exemple, je l'ai toujours à portée de main ici. Mes melties de Too Faced et les Huda Beauty qui sont là. D'ailleurs, ça se voit, celui-là, il est bien utilisé. Ici, vous avez d'autres encres à lèvres et d'autres rouges à lèvres que j'aime beaucoup. Par exemple, celui-ci, je l'adore. C'est l'huile Eclaminute, l'huile confort lèvres. Je vous en ai déjà parlé. C'est mon deuxième flacon. J'en ai déjà terminé un. Donc voilà, celui-ci, c'est le 08 Blackberry, qui a le goût de Blackberry. Hein. Donc voilà, je le mets en évidence ici pour l'utiliser vraiment régulièrement. Mes MAC, voilà, tous mes rouges à lèvres ici. Alors je sais que c'est mieux de les laisser à l'ombre, enfin en tout cas pas à la lumière du soleil. J'avais pas trop de choix. Au niveau de la plage, je les ai mis près de la fenêtre malheureusement. Après je vous avoue que voilà, quand il fait chaud et tout, je ferme bien mon rideau pour qu'ils aient pas trop le soleil en pleine tête et que ça fonde pas ou quoi mes raisins. Donc voilà pour le petit room tour, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des idées de rangement pour moi. Moi j'ai d'autres idées mais que je mettrai en place du coup dans ma future chambre. Mais voilà, ma chambre était assez petite, je pense qu'elle fait 12 ou 15 mètres carrés, je ne sais plus exactement. Mais vous avez voilà un aperçu de ma chambre, donc bon. J'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo un petit peu différente sur ma chaîne. Je vous embrasse fort et je vous dis à très très vite. Salut salut !